Et salut à tous, c'est Xenon, on se retrouve ici pour la cinquième partie de Second Dead Souls 3. Du coup, la dernière fois, on n'avait pas fait grand chose, je sais qu'on avait arrêté jusqu'à Palo. Du coup, on nous a dit qu'il fallait aller à Roland, hein, le pays natal de Lise, pour la pierre mana. Du coup, là, on a Palo. Et on va continuer tranquillou. Bon, là, vous voyez, là, Nevar est envahi la ville. Du coup, je suis en train de regarder si on trouve pas. Il me semblait qu'on trouve 20. Enfin, dans le remake, on voit où, qu'il me semble qu'on ne le prend pas. On va aller regarder. Bon, on peut reprendre déjà des trucs, je pense. Ah, j'ai plus une thune, je crois. Ouais, c'est ça. Bon, bah, du coup, on va continuer. Hop, du coup. Ah. Voilà, parfait. Bon, ça sera pour plus tard, ça. Parfait. Allez, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de trucs à choper que dans le remake, par contre. On va compter ça. Parfait. Il y a un truc par là. Ah oui, il y a un truc par là. Nickel. Bon, du coup, on va continuer. Parfait. Ça c'est un peu relou par contre. Ça c'est peut-être un petit défaut du jeu quand on se déplace vraiment vachement lentement. On rentre en mode combat trop vite, je crois. Puis on peut pas courir. Il me semble que dans Seiken 2 on pouvait au moins se déplacer. Enfin dans Seiken 2 du coup. On pouvait se déplacer beaucoup plus vite. Ah c'est la merde. Alors du coup. Petit bonbon pour Angela. Ok, elle est lise, elle est là. Et parce que le remake pour coup de Seiken 3 est vraiment qualitatif, hein. Comparé au remake dégueulasse de Secret of Mana. Là pour le coup ça vaut un peu le coup. Merde, je l'ai raté. Voilà. Les musiques sont cool, le jeu est cool. Bon, c'est sûr, c'est pas. Graphiquement, il fait pas honneur à la gêne. Ça passe. Moi, ça me suffit largement. Ah, première pied à la con. Ah, les onzons. Faut mourir maintenant. Voilà. Il va y en avoir un autre qui traîne.
Voilà. Un petit coffre. De l'herbe, parfait. Alors, pour un titre informatif aussi, j'ai racheté un micro. Bon, je l'utilise pas tout de suite, là. Je vais le recevoir bientôt. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va lui mettre à la petite Angela? Peut-être y mettre un peu de constitution quand même. Ouais, comme je vous disais, j'ai commandé un nouveau micro. Bon, rien de folichon, mais normalement, j'espère que ça sera un peu mieux. Au niveau du son, tout ça. Surtout que j'aurais plus le casque sur les oreilles, c'est ça qui serait bien. Royaume du vent de Roland. Je peux pas y aller tout de suite. Ah non, t'es relou toi. Bon alors du coup... Ah ouais, il y a un coffre. Ah, ils peuvent piéger, parfait. Oh, j'ai du bol. Tout ça pour de l'herbe en plus. Bon alors du coup... Non. Start. Et du coup... Objet... C'est bon. Du coup, les bonbons. Tac. On va continuer. Soigne tout. L'objet là, c'est bon. Hop. Ça va, est-ce qu'elle est... Ah non, elle a pas de magie encore. Non, pas Angela, c'est con. J'ai gâché un bonbon. Bon, alors, du coup. Bon, ça doit pas être là que je dois aller. On est arrivé par la grotte, il me semble. Ou par le bout, je sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus par où on était arrivé. Parfait. Un coffre. Piégé. Et bah j'ai eu du bol.
On a regagné le bonbon que j'avais gâché tout à l'heure. Bon, bah y'a rien là. Si, là on descend. Ah, bah y'a peut-être par là. Ah, bah y'a un autre pont. Regardez la partie, oui. Alors, ça sent le boss ou pas, je sais plus. Ah non, c'est le passage. Ah, on est où exactement? On va regarder sur la map. Ouais, c'est ça. Ça c'était pas trop mal foutu quoi. Ouais. Du coup, un arbre. Il y a des escaliers. Ah, ces fleurs. Ah oui, les fleurs, le fameux champ de fleurs qu'on voit, qui est plutôt bien foutu dans le remake d'ailleurs. Princesse Lise, vous êtes réveillée, c'est la cachette où nous sommes réunis. Nous avons suivi les deux ninjas qui ont enlevé. C'est pareil, ils ont dû faire une faute qui enlève. Nous avons suivi les deux ninjas qui ont enlevé Elliot. Nous avons suivi les deux ninjas qui ont enlevé Elliot. Ils nous ont échappé. Je vois, c'est bien, vous êtes en vie, Princesse Lise. Les ennemis sont enlevés, voilà, on l'a enlevé. Ah, il me semble que dans le remake, il y avait des trucs à choper dans les tonneaux. Les fleurs de la prairie sont des fleurs soporifiques. Après avoir été exposées une fois, elles n'ont plus aucun effet sur vous ensuite. Alors, il me semble qu'il y a des marchands ici. Ouais. Les armes, les amis, on les a rassemblées. Et la zone la plus forte au monde a été réduite à ce que vous voyez. Roland était censée être imprenable grâce aux hautes falaises et aux puissants vents. Maintenant elle était conquise et nous devons la reprendre ensemble pour se faire. Non, tu veux pas me vendre des trucs? On va continuer. Ça doit être la suite. Ça c'est par où on arrive, non? Oui, c'est ça. Doudou. Histoire la grosse là. Qu'est-ce que... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de... Nous sommes en plein milieu d'une réunion. Nous reprendrons. Ça doit être la sortie, ça doit être la réunion. Princesse Lise, vous êtes sauve. Mais calmez-vous. Mais je vais bien. Quel est le plan? Comment allons-nous récupérer le château? Visiblement, vous n'aurez pas assez de troupes pour un assaut direct. Désolé, je suis pas un stratège. Je n'avais jamais imaginé faire cela avant. Oh, attendez, je sais. Nous pourrions demander au sage Don Pérignon. Don? Qui? Il sera... Ah oui, c'est vrai qu'il faut... Putain, c'est vrai qu'il faut faire un peu de trading. Il sera qu'il faut faire. C'est un brillant stratège. Ses conseils m'énervent le prince Richard à la victoire contre l'empereur dragon. Où vit-il? Dans la partie délicate. C'est un Koro Google. Il vit dans une forêt, oui.
Son village est à l'est de la forêt Lapin, au sud de Jade. Allons le trouver. Justement, c'est un peu plus compliqué que ça. Les Korobokan n'aiment pas les humains. Je suis pas sûr qu'ils vous parleront. Que devrions-nous faire alors? Bien, vous devriez déguiser en un. C'est le seul moyen. Vous pourriez le faire avec le légendaire marteau Shibiko. Une personne de Bizet là. Voilà. Il faut reprendre le bateau. Bon, du coup, faut se barrer. Qu'est-ce qu'elle dit, du coup? Elle est par ici. Ah, mais un canon. Nickel. Qu'est-ce qu'elle dit? Eh, on dirait un canon de bon voyage. Oh, tu le connais? Je suis sa cousine, merci. Peux-tu nous emmener à Bizet? Oui, sans problème, je vous prête, bien sûr. À noter qu'on traverse la mer. C'est fou. Alors le matos, je crois que c'est au marché noir. Ça pourrait être utile en vrai. Enfin, j'ai jamais utilisé ça dans le remake. Peut-être eux, peut-être la vieille, faut les voir. Non, y'a rien. Toi, tu dis quelque chose. Vous voulez faire ça une fois? Je n'aurais jamais imaginé que ce serait si ennuyeux. Tenez. Vous pouvez avoir des choses de mon papy. Voilà. Quoi, vous pouvez bien? J'aimerais entrer dans lui. Mais c'est relou, ça. Hein. On va vendre, du coup. On va regarder un truc. Non. Du coup. Inventaire. Équipement. Ah, c'est clair, celui-là. Donc le jeu quand même ne nous met pas les inventaires équipés, ça c'est bon. Vendre. Ça tu peux vendre. Ah mais du coup faut que je peux faire ça avec tout le monde du coup. Vendre. Rien avec Liz, du coup il reste Angela. Ça c'est un petit peu relou par contre, mal foutu ça. Hop, hop. Bienvenue, que voulez-vous? Vas-y, donne-moi le marteau.
pouvais rien porter. Oh, c'est dans les inventaires tout court. Bah, je peux peut-être mettre en réserve en fait, je suis trop con. Moi aussi. Alors. Ça, je peux le mettre en réserve. Voilà. La poudre à canon, je sais pas s'il la faut en fait. On va la mettre en réserve encore. Les yeux d'assassin aussi. Voilà, ça me fait de la place. Y a pas d'autres trucs, non? Pourquoi ils nous mettent des flèches alors du coup? Étrange. Bon, c'est pas grave. Du coup, t'es bon, tu peux me donner le marteau maintenant? Oui. Alors du coup, on a le marteau. Alors, du coup, à côté de la forêt de jade qu'ils avaient dit. Pour prendre le bateau. À jade. Vas-y. Ah bah c'est peut-être là d'ailleurs, le passage. Je ne sais point. Ah non, c'est pas là. Je pense pas que ça va encore. Du coup, pour se casser déjà, c'était quoi déjà? Quoi. Tout simplement. Ah bah c'est, ils ont planté le level. Intéressant. Il a dit à l'ouest ou à l'est, je sais plus. Ah faut retrouver la statue en fait. Et un petit lapinou. Tiens, montre-toi ça. Elle est pas là la statue. Non mais y'a un coffre. Ah là j'ai vraiment pas de bol hein. Oh, ça c'est chiant.
C'est pas trop efficace ça, cette histoire. Bon, ce qu'il y a, c'est que ça donne de l'XP quand même, c'est pas mal. Un petit lapinou. Oh, mais je suis con, il n'y a qu'un seul chemin en fait. Ah, des lapins roses. Faire chier les pimpins là. Voilà. Bon, j'ai pas chopé de graines, ça c'est chaud. Quoi. Du coup, voilà, c'est ça le délire. Ça marche comme ça le délire. Voilà. On est tout petit maintenant. Parler au truc hein. Un passage appareil. Encore une. Ah, je t'avais jamais vu ici auparavant. Ouais, nous, nous avons déménagé. Vous sentez l'humain. Je reconnais cette odeur n'importe où. Nous avons été attaqués par des humains, l'odeur a dû rester. Bien, puisque vous le dites. Peut-on nous dire où est donc Pérignon? Pourquoi est-ce que vous ne le cherchez pas vous-même? Et là, il nous troll l'enfoirance. Et crevette. Il est pas là. Et il est pas là. Oh, quel village de con. Par contre, le passage dans le remake est assez joli. Par contre. Il n'est pas là. Oh non, il est où ce vieux? Mais je sais où c'est qu'il en plus. C'est le vieux qui nous accueille. Le truc. Il n'y a pas quelqu'un dehors. Nous n'avons trouvé Dom Pérignon nulle part. Ben, c'est parce que je suis.
Mais quoi, j'ai demandé où il était et tu m'as rien dit. Ah, je me baladais tout le temps, donc je m'étais jamais. Je n'étais jamais au même endroit. Quel type bizarre. Ah, c'est formidable. Si vous semblez nerveux. Bien, nous avons besoin de vos talents de tacticien. Le village des Corrigan de Roland a été envahi par une souris. Ah, c'est un problème. Roland prend. Oh, je sais. Tout d'abord, l'esprit du vent, Sylphide. Au milieu des montagnes de Roland, il y a une grotte nommée le Corridor du Vent. Quand la statue du dieu du vent se trouve dans une direction différente, alors le vent change de sens. C'est un passage à part. La pierre du vent, enfin la pierre de mana du vent, est située en quelque part au bout du tunnel. Puis-je retourner au jardin avec mes frères qui font dormir? Utiliser Sylphite pour contrôler le vent et répandre le pollen dans le château. Les soldats du Nirvana s'endormiront. Pourriez très vite reprendre le château. Comment saviez-vous que c'est. Comment saviez-vous où le château est Nerevar? C'est ça. Ah, tu pensais pouvoir me tromper? Tu es la personne choisie par la fée, je sens ce genre de choses. En outre, tu sens l'humain et il n'y a pas de village Corbeque, à Roland compris. Normalement, je n'aurais même pas laissé un groupe d'humains courir dans le village. Mais si la fée est ici, cela signifie que le monde est en danger. Désolé de t'avoir dupé, bonne chance. Allez, Cassos. Pour trouver sa tâche, je sais plus comment il faut faire. Pour taper avec le marteau, peut-être? Sans changement d'écran, d'accord. Du coup, on va sauvegarder. Alors, du coup, faut retourner. Pas l'eau. Moi, il crève. Par contre, il donne de l'XP, ça c'est bon. Ça j'aime. Pas de coffre. Les petits lapinous. Bon, voilà, on n'a pas vraiment eu de bol hein, sur cette partie hein, avec les coffres. Ouf. Un chocolat, c'est bien ça. C'est pas par là en fait. Qu'est-ce que je fous? Par où la sortie? Encore un coup. Donne-moi des graines. J'ai pas eu une graine depuis le début, c'est chaud quand même. On compte un peu la chance. Encore. C'est qui est? Ah, il est là. Bien.
encore. Non, il y en a encore. Ça va, là. Petit peu, non. Ah, la skin du bateau quand même. Allez. Un palo. Et vas-y. C'est encore long. Bon, ça c'est un petit aller-retour quand même un peu inutile qu'ils ont fait dans le jeu. Le cacher même dans le remake, c'était un peu relou. C'est vrai que j'en avais pas parlé dans les autres vidéos, mais c'est vrai qu'il y a un système de jour et nuit. C'est quand même assez bluffant pour l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de RPG qui faisaient ça. Je crois même qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux qui faisaient ça à l'époque. Enfin, peut-être les RPG américains, occidentaux. Chez les japonais, ça se faisait pas des masses, ce truc. On a eu plus tard avec Pokémon, mais... Il est ouvert, lui, là. On va y acheter plein de trucs là. Histoire de d'être tranquille. Alors du coup, on va acheter pas mal de bonbons. Dommage qu'on peut pas en acheter plusieurs d'un coup. Voilà ça. Voilà les graines. Et les coupes. Voilà, une thune. Au revoir, on a combien sur la capture, les enfants? À 37 minutes, on va essayer d'avancer un petit peu. On va essayer d'avancer un poil quand même. Allez, la bagarre. Ça. Ah oui, non, mais ça c'est pour oui. Oh, il y a des zombies, ça c'est chiant. Oh, je suis mini. Ah, on peut choisir comme ça. Oh, je me fais chier à changer de personnage pour rien. Ah, c'est relou, franchement les zombies c'est relou. Pourquoi elle veut pas me donner un truc là? Ah, c'est parce qu'elle est pas encore prête. Oh là là. Et là c'est bon, voilà.
Attendez. Un tous. Ça c'est pas mal. On lui met un poil plus de force. Oh mais il est chiant là. Là c'est bon. Madame peut se battre ou quoi? En fait il faut bien. Ça dégage. Bon, on doit soigner. Tac. J'ai là. Constitution. On met un peu plus d'agilité. Voilà. Nickel. Du coup, on va continuer. Allez. Oh non. Ça c'est rond par contre. Vous n'êtes pas très rond. Ah, il y avait le chevalier. On va se faire. Ah, il y en a un deuxième. Oui, c'est une arme. Ça casse. Ça dégage. Bon, du coup, c'était là qu'il fallait aller. Là, il doit y avoir une statue. Non. Ah non. Oh non, la statue elle est plus haut, je crois. La statue de la déesse. Voilà. Elle meurt, toi. Voilà. Merde, j'aurais dû attendre un peu pour avoir un coffre.
Ça c'est relou. Corridor du vent. Parfait. Ouais, on peut pas y aller. On aurait dû là-haut. Un truc là. Et un combat. Sont sérieux? Non, c'est pas grave. Bon, y avait rien ici en fait. Alors du coup, ballon. Bonbon. La bagarre ici. Ça c'est pas bon. Du coup, bonbon pour tout le monde. Il a lâché un coffre, c'est intéressant. Du coup, on continue par là. Qu'est-ce qu'il y a par là? D'accord, il y a ça. Là, on peut pas y aller. On ne peut pas sortir ça.
rien ici. Oh merde. Je crois que c'est un endroit où on est déjà allé en fait. Oui, allez, tiens. Non. Non, du coup. Petit bouton. Ok, un coffre, une petite graine, ça serait bien. Qu'est-ce tempête? Je crois que je vais peut-être choper des graines, j'ai peut-être pas fait gaffe. Ah non, je l'ai pas chopé. Hein. On n'a pas fait. Oh putain, si c'est ça. On a fait marche arrière. Là, on peut passer bien un bouton. Voilà. Voilà. Donc là, faudrait aller, je sais pas trop. Voilà, ça suit. Hein? Voilà, c'était ça que j'avais pas fait quand on a une. Il y a par là. Là, on peut pas y aller. Ah si, on peut y aller. On peut y aller ou on peut pas y aller? Ah, j'avais réussi à glitcher le jeu quand même. Hein. Attendez. Trigon, cette histoire. Bon, alors du coup. Là, on peut passer. Ça sent le boss.
Là, il n'y a pas de musique, c'est assez austère. Hein, quand même. Bon, depuis que c'était comme ça dans le remake. Là, ça continue là, à mon avis, ça se sentirait bien la petite. Bah, la pierre, là. Là. La pierre mana à l'intérieur est scellée à un puissant dieu destructeur. Bientôt, il sera libéré de cette pierre et le monde retournera dans l'ombre. Quoi? Arrête de parler comme ça. Oh, n'ayez pas peur. Nous ferions de notre mieux pour que cela n'arrive pas. Prononcez le fil, il doit être près d'ici. Et il y a des empreintes ici, suivons-les. C'est pas assez niveau 12, je crois. Je suis pas encore assez haut. Je crois que c'est ça. Je sais plus. Il me semble que c'est niveau 12. De mémoire. Je crois. Je crois. Peut-être niveau 15 en fait. Peut-être niveau 15. Stat. Ouais, je suis assez loin encore. On a du coup. Ouais, du coup, ça c'est pour. Attaquer un ennemi différent. Choisissez une cible. Ouais, c'est ça. Bon, du coup, bon, il y a des empreintes là. On va peut-être aller voir là-bas. Ça continue par là. Ouais. Quand même plus sage. Sauvegarder. Bon, à combien on est là du coup? 58 minutes. Merde, j'ai pas sauvegardé quelqu'un. On va peut-être continuer un petit peu, je pense. Histoire de. Parce que c'est vrai qu'il s'est pas encore brassé grand chose là. Bon, il y en a même un peu de scénar. Du coup, on va continuer un petit peu. Ah, puis il y a un boss. Parfait. La Sylphide. Eh, hey, laisse Sylphide. Il est parti. Sylphide n'a pas l'air d'aller bien. Prenez garde. Ah oui, ça va être une affaire complexe pour ça. Ah putain, c'est chiant, pourquoi il peut me donner en gelat? Ah, ça c'est pas très rond ça. Les docks sont assez spéciales du monstre quand même.
Ça y est, elle est décédée. Encore un sprite assez impressionnant quand même. Ça, on peut pas leur reprocher aux Saiyans, ils ont toujours fait des boss impressionnants. Oh, regardez-moi cet effet. Ça, c'est fou, hein, pour l'époque. Enfin, surtout sur Super NES. Et c'est la victoire. Ah, on va juste regarder un truc. Est-ce que j'ai gagné de l'XP sur mon boss? Stat. Oui, un petit peu. Récupérer Sylphide. La Sylphide, tiens bon. Ouf, je suis sauvé. Il était ce chevalier, j'étais occupé lorsqu'il m'a attaqué. Il m'a pris mon énergie et a invoqué Tsenker. Veut-il aussi les 8 pires manas? La Sylphide, nous avons une requête, peux-tu nous aider? Tu plaisantes, vous m'avez sauvé, je ferai tout ce que vous voudrez. Toulou, toulou, toulou. Du coup, eh bien on va les sauvegarder, puis on va s'arrêter là. On va faire la bagarre. Ça dégage. Est-ce que je suis loin vraiment du... Est-ce que ça se forme vite? Sinon on peut faire un petit peu de séance de farmage vite fait, histoire de monter 12 pour voir si on peut changer de classe. Mais je crois pas que ça soit 12, je crois que c'est 15. Là il n'y a pas de monstre aussi, c'est chiant. Il me donne que 30 XP, ça va être un peu long. Un coffre, peut-être. Non. Bon, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on a toujours pas de graines. Ça, c'est chiant, parce que les graines, ça peut être ultra pété. Et c'est assez monté. Ça donne des fois... Enfin, je sais que dans le remake, ça donne des objets pas dégueu. Tout.
Ah, je suis désolé de vous afficher ça, mais il faut que je pousse ma curiosité. Faut autant vous faire voir ça en vidéo. Moi qui faut une graine, je sais plus. Non, la graine, je sais que c'est pour la dernière. Parce qu'ils avaient rajouté une classe en plus, il me semble. On a beaucoup. Hop. Ouais, encore quelques-uns. Ouais, ça va se faire assez vite. Je pense. Voilà. Un petit coffre. Quand je pense 2-3 allers-retours, ça va être bon, je pense. Alors je sais pas pour tu vois ce que je vais mettre, si je le fais Dark Light ou Light Light ou Dark Light, je sais pas. Ça porte pas tant que ça les coffres. Et bah voilà, donc pour Lise, du coup, Lise, on va y mettre de l'esprit, je pense, c'est l'intelligence ou de l'esprit, je sais plus, on va y mettre de l'intelligence, du coup. Voilà. Donc, du coup, il manque combien à notre ami de l'âme. Il lui manque combien? Oh, il manque 28 en aller-retour. Parfait. Franchement, je farmerai peut-être en off. Si je vois que ça marche là, je farmerai en off pour Angel. Aussi. On va voir si c'est niveau 12, mais je crois pas que ce soit niveau 12, je crois que c'est niveau 15 ou 18, je sais plus. Non, c'est pas assez. Donc ça doit être niveau 15. Bon, du coup on va sauvegarder, on va s'arrêter là, je me renseignerai sur le net pour ça. Hop, sauvegarder. Hop, voilà. Ah, du coup j'espère que cette cinquième partie de Seiken 3 vous aura plu. On a quand même pas mal avancé là. On a vu un peu de scénar, on a été dans le village des mini-pousses là. On va aller. On a vite fait vu les Amazones aussi, le peuple de Lys du coup. Du coup là on va aller prochainement, je pense que la suite ça va être libérer le château. Du coup on va avoir un boss assez coriace, il me semble. Là vous avez vu un boss, on a récupéré Sylphide, c'est parfait. En tout cas, j'espère que cette partie-là vous aura plu. Je vous dis bye bye. Et à la prochaine.